Quel magnifique logo! Salut à tous et Linkos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Mercury's Chest en démo. J'espère que vous allez très très bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Surprise, on peut le dire. Et voilà, dans cette vidéo, nous allons découvrir ce jeu qui est développé par la Solarus Team. La Solarus Team, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de développement qui crée des jeux Zelda amateurs, mais pas forcément que, mais globalement, ils créent des jeux amateurs Zelda. Et du coup, voilà, j'ai envie de tester ce jeu qui est totalement inédit, qui reprend des assets de Link to the Past, mais qui a son propre moteur de jeu. Il faut le savoir, la Solarus Team a son propre moteur de jeu. Donc voilà, vous pouvez aussi créer des jeux avec un kit qui est fourni avec la Solarus Team. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Solarus Team. Vous trouverez facilement le site sur internet. De toute façon, je mettrai le lien dans la description, ça sera plus simple. Donc voilà, on est parti, on va tester ce jeu. Parce que les jeux de la Solarus Team sont vraiment géniaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu aussi parler de Zelda Mystery of Solarus. C'est un jeu qui a été créé il y a quand même maintenant une dizaine d'années, je pense. Enfin, créé, mis à jour pour la dernière fois il y a une dizaine d'années. Mais qui reste toujours aussi bien. Et depuis, bah, les jeux Zelda se sont démultipliés. Que ce soit des fangames par rapport à une petite équipe de développement comme la Solarus Team, ou même des Acrom, tout simplement. Voilà. Du coup, on est parti. Alors, j'ai testé juste pour voir comment ça rendait, mais je suis pas allé hyper loin. Et du coup, voilà, on est parti. On peut aller dans les options, mais il n'y a rien de folichon. J'ai mis le mode Viodo en HQ x4. Mais bon, voilà. Je trouve que, personnellement, ça rend bien. Même si avec les pixels, c'est bien. Bah, en haute qualité x4, je trouve ça aussi très bien. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira grandement. Et, bah, écoutez, let's go, quoi. On est parti. Et on va s'appeler évidemment Linkos. Hop. Alors attendez. Voilà, on va aller là. K-O-S. Et ça fait du bien de... Alors par contre, oui. Ça fait du bien de tester d'autres jeux, d'autres Zelda. Et à savoir que du coup, je ne connais vraiment pas. Donc on est parti. Ça se passe en mer. OMG. Et là, vous reconnaissez un petit peu la musique. Enfin, bon. Et là, c'est marrant, la musique change un petit peu. Comme on est en intérieur. Un joli détail, je trouve. C'est lui? Pas de doute. Le boss ne nous a pas menti. C'est bien Linkos, le héros. Donc ouais, à savoir que le jeu, il est en développement depuis quand même des années, je dois vous le dire. Mais vraiment, quand la version complète sortira, bah j'en ferai un let's play carrément. Là, je ne sais pas si je vais en faire un mini let's play ou est-ce que ça sera une grosse vidéo. On verra bien. On verra bien, mais je vais prendre mon temps. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de coupures, hein. Mais voilà, je vais prendre mon temps, et bah on se met bien quoi. Donc posez-vous, installez-vous bien. Et donc voilà, vous voyez que ça reprend les assets de Link to the Past, hein, pour la plupart. Mais à savoir que bah il y a des petits éléments, comment dire, enfin des nouveaux assets quoi, créés. Bonjour jeune homme, tu t'es remis de tes blessures? Heureusement que ces deux gentlemen se sont occupés de toi hier soir. Alors les deux gentlemen, bon.
Le confort inégalable de nos couchages a fait le reste. De ce que j'ai compris, tu n'es pas d'ici. Aussi, je te souhaite une bonne visite de la ville. Eh ben merci bien. Et regardez, qui voilà Talon. Alors, qu'est-ce que je te sers? Nos cuvées Romani sont à 25 rubis si tu as une bouteille vide sur toi. Le lait de la cuvée Romani te redonne 10 cœurs à chaque fois que tu le bois. Ça te rebooste pour la journée, crois-moi. Bon, on n'a pas de sous, hein, on est pauvre. Et il y a des assets aussi de repris de d'autres Zelda, comme Minish Cap aussi. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et là, bah on a l'aperçu de la ville, hein, qui est, ma foi, plutôt grande. Mais voilà, on va prendre plaisir à la découvrir. Ça va être cool. Hey, toi! Je ne t'ai jamais vu avant. Tu n'es pas du coin, n'est-ce pas? Comment? Des gars étranges t'ont enlevé? Maintenant que tu le dis. J'ai vu deux vauriens sortir à toute hâte de l'auberge. Que t'ont-ils fait? Ils t'ont dépouillé? Quel sale type! Malgré tout, tu m'as l'air fort et vaillant. J'ai peut-être une mission importante à te confier. Mais ça serait imprudent de t'en parler en public. En attendant, je peux t'aider à refaire ton équipement. Voilà déjà de quoi t'acheter une nouvelle épée. Ok, on a une bourse. Tu peux y ranger les rubis qui te permettront d'acheter des équipements et objets durant ton aventure. Retrouve-moi au temple du cratère sacré à l'ouest de la ville, je t'y attendrai. Ok, intéressant du coup. Et on est parti, hein. Un petit cœur ici. Et on a 5 rubis là. Regarde les petits cochons, ils sont trop choux. On a Epona là. Et là, à partir de là, bah ça y est, je connais pas. Salut, mon nom est Malonia. Et cette petite jument s'appelle Médéa. Je suis passionné par les animaux et me soucie beaucoup de leur bien-être. Tu cherches une épée? Oh, je suis désolé, mais les armes, ce n'est pas trop mon truc. Peut-être que d'autres habitants de Chronoville pourront te renseigner. Tout ce que je sais, c'est que la plupart des commerces sont situés aux alentours de la tour Biblio, qui est au sud. A bientôt, en tout cas. Donc voilà. Là, ça me fait... J'espère que ça vous fait plaisir. Pour ma part, ça me fait hyper plaisir, hein. Et toi, tu vois pas qu'on s'entraîne? Laisse-nous tranquille si tu veux pas avoir affaire à nous. Bah oui. Ok, les deux frères, là, bon. Y a un petit chien, là. Vous voyez? Oh, c'est trop mignon, comment ça animer tout ça. Auberge Romani, en ce moment, venez profiter de nos meilleures chambres à moitié prix. Retrouvez au bar des Grands Crus de l'Air Romani. Ok. Bah, on va visiter la ville, hein. Tu as remarqué les icônes en haut de l'écran? Elles correspondent aux touches de la manette de jeu. L'icône verte te montre les actions que tu peux faire. Il faut donc appuyer sur la touche d'action pour effectuer l'action indiquée. L'icône bleue correspond à ta touche d'attaque, mais seuls les chevaliers savent s'en servir. Quant aux deux icônes grisées, elles permettent d'utiliser des objets que tu auras assignés dans ton inventaire. Ok. Donc là, ça nous dit le tuto, hein. Donc voilà. Oh, regardez! Le marathon man! Le marathonien, pardon. Le postier. Enfin, ça me rappelle Ocarina of Time. Et évidemment, il y a de multiples références. Salut mon gars. Mais désolé, mais là, j'ai vraiment pas le temps. On se reparlera plus tard. Quoi? Bon, mais oh. Salutations, citadin. Je suis un Zora voyageur de passage dans cette magnifique cité. Je suis venu en quête de savoir sur l'histoire de la ville. Son nom, par exemple, d'où vient-il? Pourquoi Chrono, ville? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le temps? Des questions auxquelles j'ai hâte de trouver les réponses. Je vais bientôt me rendre à la tour Biblio au sud pour consulter les archives de la ville et en savoir plus. Et vraiment, en fait, ce jeu, je trouve qu'il... vu comme ça, tu vois déjà qu'il y a un lore et tout ça, et que ça a l'air bien complet. Par exemple, là, en ce moment, je joue à Echoes of Wisdom. Mais, enfin, tu sens que ça n'a pas non plus une grande envergure, une grande ambition, sans trop spoil. Bah, c'est assez classique comme jeu, il n'y a pas de gros twist de malade. Mais, enfin, voilà quoi. Bref, je me suis débarrassé de quelques bombes, dont je ne me servais plus à un marchand toche bleue. Ça m'a permis de mettre un peu de beurre dans les épinards. Oh. Wouf wouf.
Donc là, ok. Avec un copain, on prévoit d'aller explorer une ancienne mine dans la plaine Indigo. On peut la trouver derrière une statue, il y a aussi des rails qui n'ont pas été enlevés. L'endroit a l'air trop cool. Ouais, ok. Bon, la carte, il n'y a rien qui est dévoilé. On peut pas rentrer, j'ai l'impression. Dommage. Mais on va bien explorer, en tout cas. Ce pauvre Gotter est en panne d'inspiration de ce que je sais. Je peux au moins l'aider à nettoyer devant chez lui. Ok, bon, ils redisent la même chose, hein, ok. Il y a des pots ici. Hop. On va les prendre. Et il y a 5 rubis. Il y a 5 rubis ici, on va les prendre aussi. Eh oui, je les ai vus. On peut sauter d'ici, nice. Ah bah, attends. Ah, j'arrive pas à lui parler au chat. Un jour, j'aimerais voyager dans le monde entier et peindre les beaux paysages que j'y verrai. Mais comment se lancer? Tu es un voyageur, comment arrives-tu à te motiver à parcourir de si grandes distances? Notre monde est si vaste et j'arrive à peine à sortir de chez moi. Ah, je suppose que je dois quand même essayer. C'est décidé, je me lance et je vais déjà visiter les plaines qui entourent la ville. C'est déjà un bon début, non? Et si ça se trouve, je te croiserai. Ça sera amusant, non? Ah, je peux pas parler au chat. Ok, bon. Mais au chien, oui. J'ai dilapidé tellement d'argent au jeu des bombes. J'arrête plus jamais les jeux d'argent. Aïe, 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 j'ai des insomnies en ce moment. Je suis fatigué. Ah, elle est fatiguée. Ah, on peut pas aller par là, du coup. Donc là, il y a une petite statue de la déesse. Là, il y a un puits. Et là, il y avait 5 rubis. Je les ai vus, heureusement. Mais ok, c'est très sympa. Très, très sympa, tout ça. J'aime vraiment. Pour l'instant, on a visité le nord-est de la ville. Il y a un petit goron ici. Salutations, je suis venu dans cette ville pour faire la promotion de nos formules sur ce show tout compris. Dans les monts Austro où nous vivons, nous ne pouvons pas nous passer de ces moments de détente. Il faudrait que tu viennes nous rendre visite, cher voyageur. Évidemment, et vous voyez quand même le design. C'est trop stylé quand même. C'est vraiment trop stylé. Et toi, tu savais que pour sauvegarder, tu pouvais aller dans le sous-menu et ensuite appuyer sur la touche d'attaque. Oui, on va le faire d'ailleurs. Ah oui, voilà. Et je continue la partie. Ok. Ouais, la touche d'attaque, bah, pour moi, c'est X, hein, vu que je joue à la manette, forcément. Je vends un petit cœur. Non. Je peux t'acheter 3 bombes si tu as besoin d'argent. Oh, ça peut être sympa, hein. Ah, ça peut être sympa. Je peux t'acheter un de tes cœurs de vie si tu as besoin d'argent. Je t'en donne 5 rubis. Oh! Ben voilà. On peut se faire des sous faciles. Bon, bah super. Il arrive que des taurins nous rendent visite. J'ai beau avoir appris leur langue à l'école, j'ai toujours quelques difficultés à les comprendre entièrement. 3 petits cœurs de vie. Ah, mais d'accord, ok. Et elle, non loin d'ici, c'est le bois des taurins. C'est un endroit étrange. J'en ai un peu peur. Et il y a beaucoup de choses, hein. Oh, regardez. Des pains, des croissants. Ça, c'est les sprites de Minish Cap, j'en reconnais. C'est trop bien. Je viens ici tous les jours pour prendre le thé accompagné d'un mini croissant. Les citadins sont des génies d'avoir inventé un tel délice. Je viens de sortir de ces viennoiseries du four. Elles sont toutes chaudes. Sens-moi cette odeur, ça fait pas baver ça? Bienvenue chez Le Vin C'est Bien, spécialiste de la viennoiserie pur beurre depuis 80 ans. Eh ben, 80 ans. Mais où est Janie? Elle devait me retrouver pour 4 heures. 4 heures. Je me demande s'il y a un système de temps dans ce fan game. Pour le coup, je connais pas, mais très certainement. Parce que quand même, ça s'appelle Chronoville. Hein. Ah, on peut aller par là, apparemment. Bois des taurins. Après, on n'a pas d'épée. Peut-être qu'on pourra pas s'enfuir. Oh, il y a des cœurs. Incroyable. On peut aller voir. Hein. Oh. Et il y a des choses par là. La carte du monde, on n'en sait pas plus. Ouais, bon, on va faire attention. On va faire attention quand même.
Allez, on va revenir à Chronoville. Ils disent rien, d'accord, bon. Ouais, c'est quand même grand, hein. Envie de tout faire péter? Chez les sieurs Siami, nous proposons de quoi satisfaire vos envies de destruction. Attention aux horaires. Bah, des bombes. Ou des bottes? Parce que ça se pète avec les bottes de Pégase dans A Link to the Past. On peut plus accéder au cratère sacré depuis l'éboulement d'hier. Il paraît qu'ils ont fait appel à une équipe de déblayeurs, mais ils en mettent du temps. Les fameux... Oh, je peux tâcher une bombe. Ah ouais, mais non. Ok. Que me veux-tu? Arrête de me suivre. Bah, je fais rien de mal. Eh, hey, chill, hein. J'ai vu un homme cacher quelque chose au sud de la ville derrière les remparts. L'homme était louche et semblait anxieux. Je me demande ce qu'il a bien pu dissimuler. Les marchands qui ont un turban achètent systématiquement des ressources. Pratique quand tu as court d'argent. Ah, un turban? Attends. J'ai pas trop remarqué. Ah oui! Oui, eux là. Sur leur tête. Ah, bien vu, hein. Bien vu, bien vu. Mais ouais, bah du coup on est à 20 rubis au lieu de 15 rubis parce qu'on a sacrifié un petit cœur, un petit cocolo. Ok. Ah, un petit peu bizarre comment ça mettait le sprite ici. Mes aïeux, nos voisins se sont encore disputés toute la soirée d'hier. Mon époux est mécontent de nos voisins, mais personnellement je suis inquiète pour June. Ma perruche rouge, elle est magnifique et très affectueuse, mais depuis quelques jours, elle ne chante plus et mange très peu. J'aimerais l'amener chez Lika, qui sait très bien s'occuper des animaux. Pardon. Mais je ne suis plus toute jeune, j'ai beaucoup de mal à marcher. Bah, on peut pas s'en occuper, nous? Bon, je sais pas, mais bon. Peut-être que c'est une quête qui se débloquera plus tard. Hein. J'ai remarqué que les marchands à toche verte achètent de la magie. Si je savais utiliser la magie, j'aurais recours à un service. Ouais, bien sûr. Mon épouse me met tout le temps la pression pour voyager, mais moi j'aime bien le confort de mon quotidien. Après, je ne suis pas forcément contre un petit séjour. Si je pouvais être convaincu que ça vaut le coup, je serais bien plus motivé. Bien le bonjour, désolé, mais si tu viens par une coupe de cheveux, pour une coupe de cheveux, et si tu en as bien besoin de ce que je vois, bah super, c'est mon jour de repos. Ah, il a mal partout. Oh, ça parle encore les sources chaudes de la montagne Goron. J'essaye de convaincre mon époux d'organiser un petit séjour en amoureux là-bas. Mais il est si casanier. Ah. Et ça fait encore barbark. Ouf ouf. Allez, on va... On va aller voir un peu plus bas. 3 de tes cœurs. Bah ouais, mais là, on meurt. Veux-tu une bombe? Oh! Ouais, mais je vais attendre un petit peu pour les bombes. Que me veux-tu? Arrête de me suivre. Un bon croissant? Non. Un peu de ta magie? J'ai pas de magie. J'ai pas de barre de magie. Salut toi, bienvenue au quartier commerçant. Tu as vu toutes ces échoppes? Cette ville est incontournable pour tout vendeur qui se respecte. Ils viennent du monde entier pour proposer leurs produits régionaux. Tu pourrais faire de bonnes affaires. Regardez, un chien là. On peut pas prendre ses peaux. Un pain au chocolat. Pain au chocolat ou chocolatine? Excusez-moi, bah moi, je vais briser le quatrième mur. C'est petit pain, moi, parce que je viens du Nord. Une petite flasque de magie, ouais, non. Et toi? J'aime bien ce petit coin de tranquillité, proche de la statue de la déesse. Je me sens sereine et en paix. Eh ben, tant mieux pour toi. La boutique de sœur Siami est vraiment pratique. J'étais à court de potions vertes pour un ragoût. Elles ont toujours du stock. Mon époux est parti explorer les ruines d'Orient. Non loin du canyon. J'ai peur pour lui, mais je suis aussi heureuse qu'il vive sa passion à fond. Je peux te proposer 8 bombes si tu en as besoin. Eh ben. Et ça, c'est la tour. L'espèce de tour... chrono, on dirait un truc comme ça. 3 pommes, non. Beaucoup de ta magie. Non, c'est bon. Mais ça va être pratique, ça, quand même. Ok, ok. On sait qu'il y a quelqu'un qui vend des bombes, hein, qui est à l'ouest, du coup.
Il y a tellement de choses à voir, par contre, c'est une dinguerie. Je suis le docteur Bulbo, un scientifique de longue date. Mes compétences ne sont plus à prouver. Mais les gens de cette ville sont méfiants du progrès de la science. Quelle tristesse. Aïe, aïe, aïe. Et limite, on dirait qu'on peut aller là, mais bon. J'espère qu'on pourra courir au bout d'un moment. C'est un mini-jeu, ça? Peut-être qu'on peut pas y aller tout de suite. Ouais, j'ai bien l'impression. Attends, quoi? Ah bah oui, ces boutiques ouvrent un jour, j'avoue. Il existe des immenses sanctuaires aux quatre coins du monde. Je l'ai lu dans une encyclopédie. Eh, y a tellement d'informations, c'est incroyable. J'ai besoin d'une petite dague pour partir à l'aventure. On m'a conseillé un superbe forgeron à côté de la tour Biblio. Si toi aussi tu as besoin de t'équiper, fais un détour par là-bas. Mais c'est vraiment... Je mens genre trop bien. Il y a trop de choses. Peut-être justement trop de choses à voir dès le début, mais... Mais vas-y, c'est pas mal. Oh, il y a un coffre là-bas. Oui, bombe. Non. Mais ouais, les vendeurs, ils sont partout, hein. Je vends une grande flasque de magie, non. Une fée, non plus. Ah bah, bon, je vous avoue que j'ai quand même hâte qu'on... comment? Bah qu'on se déplace, hein, mine de rien. Ah, toi aussi tu fais du coup... Mais... Oh, c'est Riju. Bah, Riju, on connaît Riju. C'est de Breath of the Wild. Et même de TOTK, incroyable. Oh, ils ont fait le sprite comme ça. Tu connais pas le peuple Gerudo? Pourtant, tu en as une juste devant toi. Peut-être que toi aussi, tu viens de très loin. Nous sommes un grand peuple du désert au sud-est. Si jamais tu fais le trajet jusque-là, prépare-toi bien aux fortes chaleurs. Oh, c'est trop bien! Ok, ok. À chaque fois que je viens dans les marchés, je repars les mains vides. J'ai tout le temps peur de me faire arnaquer. Mon pauvre, petit marché de l'Est. Bon, il me faudra une épée, hein. C'était une démo... Quoi? Oh non! J'ai pas compris que c'était une démo. Bah ouais, bah si. Je l'ai bien compris. Ça serait dangereux. Oh non! Pfff. Ok, ok, nice. Il y a une maison ici où on peut aller... Oui, bonjour, je suis un peu occupé, tu vois. Ouais, je vois, je vois. J'ai vu les gardes s'entraîner l'autre jour, c'est trop impressionnant. Ils font le coup des stocks en maintenant la touche d'attaque tout en temps se déplaçant contre un obstacle ou un adversaire. Moi aussi, un jour, je veux être un soldat. Bon, écoutez, je bois un petit coup. Parce que, bah, ça parle énormément dans le jeu. Mais, ce sont des choses plutôt utiles. Et du coup, on prend beaucoup plaisir. Allez, on est bien comme ça. Continuons. On peut aller là. Oh, là, il y a quelque chose, un bâtiment en forme d'épée. T'es nouveau ici, je suis café. Oh, café! Le fils de la mairesse de cette ville, ça fait quelque temps que ma mère ne va plus très bien. Elle est de moins en moins terre à terre, j'aimerais trouver une solution, mais pour l'instant, elle a surtout besoin de soutien. Si tu as bon cœur, n'hésite pas à lui rendre visite. Sa maison est au sud-ouest de la ville. Oh non. D'accord. Is this the real game? Is this just fantasy? Ça doit peut-être être une ref. J'aime bien parler aux chiens. Oh, là c'est le forgeron, ok. Ah, je peux pas lui parler. Peut-être... En allant là? Ah, je peux lui parler d'ici. Pour une épée du héros classique, tu devras m'apporter du minerai de fer et 30 rubis. Je sais qu'on peut trouver du minerai de fer dans une vieille mine au sud de la ville. Par contre, prends garde à toi car sur ta route, tu risques de rencontrer quelques monstres et sans armes, tu devras très certainement éviter de les affronter. Ok. Je peux te vendre un petit bouclier pour 20 rubis si tu le veux. C'est pas grand chose, mais ça peut quand même te... protéger contre certains monstres sur ton chemin vers la mine. Oh! Eh ben on prend. On n'a plus de rubis, mais vas-y. Très bien ça. Du coup on a le bouclier d'équipé automatiquement. Hein. Ok. Bah parfait. Ok, ok. On va visiter directement le sud-est.
pour voir ce qui s'y passe. Mais c'est vraiment trop cool. Regarde, il y a des poissons trop mignons dans ce bassin. Mais si, là, regarde mieux. Ouais, alors bon, je vois pas grand chose perso. Mais c'est pas grave. ok, il y a des rubis ici, donc ça c'est cool. Tu aimes la mélodie que je suis en train de jouer? Je l'ai composée cette nuit. Quand je la joue, j'ai l'impression que mon esprit est comme sur un petit nuage. Si tu veux un jour, je pourrais te la prendre. Le chant du soleil, imaginez. Je commence à m'endormir bercé par cette mélodie si entêtante. Ah, il y a tellement des choses nostalgiques. Chronoville est l'endroit rêvé pour tous les amateurs de musique. Je m'en donne un cœur joie. Oh. Là, il y a un petit miaou. D'accord. Ouais, bien sûr. Je peux pas trop déchiffrer ça, je vous avoue. Oula. Bonjour, vous. Alors, on peut... Ouais, on peut aller au sud. Hein. On peut aller au sud, mais on va pas forcément y aller tout de suite. Je veux tout visiter à fond, je vous avoue. Hé, hey, gamin, ne viens pas troubler l'ordre ou je te jette dans un cas de chauffe. Fais attention, je t'ai à l'œil. Ok, bon. On va visiter... Oh. Oh, trop bien. Je pourrais jouer de la harpe toute la journée, quel instrument magnifique. As-tu remarqué que la ville comporte de nombreux musiciens? Nous sommes une communauté très sensible à la musique. C'est comme une seconde nature chez nous. Eh ben, c'est trop bien, la musique. T'as bien raison. Bonjour, toi. Salut, cher chevalier. J'espère que tu n'as pas peur des serpents, car ceux-là sont extrêmement dangereux. Ils sont calmes actuellement, car je sais les amadouer avec cette douce mélodie musique. Ah oui, j'avais même pas vu les serpents. On peut leur parler, c'est marrant. Enfin, parler, bon. Il y a tellement de choses à voir. Oula, il passe à travers, lui. Oh, mais c'est... Ah, mais c'est elle, Epona. La boutique des sœurs Siami est vraiment pratique. J'étais à court de potions vertes pour un ragoût. Elles ont toujours du stock. Ah, mais je suis venu, là, attends. Enfin, je crois. Je ne sais plus. C'est tellement grand. Ah oui, mais d'accord. La carte de notre monde, tout aventurier se doit de la posséder. Eh ben... C'est bon, fabriqué dans notre atelier ici à Chronoville. Ok, 40 rubis, un fragment de cœur. 50 rubis. Ça, c'est quoi? Disposer de deux fois plus de magie. Oh là là. Et ça, c'est un quart, quoi. Aïe, 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 aïe. Il y a des trucs de fou ici. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment incroyable. Très, très bien, très, très bien. Qu'est-ce qu'ils disent, ces clowns? Jongler, c'est ma passion. Moi aussi, c'est ma passion. Et toi? La, 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 li. Il paraîtrait que c'est la mairesse de Chronoville, grande amatrice de musique, qui jadis a proposé que nous soyons la capitale musique du monde. Pour tous les aficionados du rythme, c'est littéralement le paradis. Ok, ok. Donc là, c'est pour aller vers la tour. Hein. Ok. On ira en dernier parce que c'est peut-être ici qu'on doit... Bah, qu'on doit aller. Hein. Bonjour, toi. Je t'ai jamais vu. Comment te prénommes-tu, Linko? Quel nom étrange. Moi, c'est Balek. Je viens distraire les différents commerces de la ville en jouant du tambour. J'aimerais un jour taper les bœufs avec d'autres musiciens. Ça serait vraiment l'extase. En tout cas, si j'ai l'opportunité, si l'opportunité se présente, je la saisirai sans hésiter. Waouh. On peut soulever et lancer une bombe qui vient d'être placée au sol. C'est un... Ouais, ok, bon. Ça peut être utile, effectivement. Parfois. J'ai emprunté ce roman à la tour Biblio. Ça parle d'une mystique histoire d'amour qui aurait eu un destin tragique au moment du cataclysme. Ça serait basé sur des faits réels. Aïe, aïe, aïe. Je leur ai parlé à eux? Ah oui, oui, ok. Mais est-ce que je peux aller ici pour récupérer ce coffre? Peut-être. Il y a des meumeux ici. Le lait de mes vaches fait le bonheur des amateurs de cette ville. Oh, c'est beau. Mais attends, est-ce que je peux vraiment y aller? Vous pensez? Ah, peut-être pas, hein.
Ouais, non, peut-être pas. Parce que du coup, je suis plutôt curieux. Mais on dirait que... Ouais. Ouais, je sais pas du coup. Parce que regardez, je pense pas que qu'il y ait... là, peut-être? Ouais, non. On sait pas trop comment y aller, mais bon, c'est pas si grave. On va aller vers le bas. On va aller vers le bas, écoutez. Et on va aller là. Oh, mais regardez ici, il y a des bombes. C'est là où il y a les sœurs Siami. Au lieu de Siamois, bah oui, forcément. Oh là, ah bah non, mais c'est le jeu de la bombe ici. On veut participer au meilleur jeu du bourg. Mais je vois que tu ne sais pas encore manier les explosifs. Ah bah super. La sécurité, c'est primordial. Reviens me voir quand... Lorsque tu auras un peu plus d'expérience en maniement des bombes. Ah bah merci. Bon. Très très bien. Bon par contre... ah ici on peut avoir potentiellement des rubis. Bon je sais que j'avance pas vite mais écoutez. Je prends mon temps. Au pire ce que je peux faire. Je ferai un petit truc. C'est un petit chapitrage dans la vidéo. C'est possible que je fasse ça. Donc là, il y a des potions, ok. Très heureuse de mon achat de la potion rouge. Le matin, quand je n'ai pas la forme, une cuillerée, et ça va tout de suite mieux, évidemment. On va aller ici. Oh, il y a plein de pots. Ouais, les pots, ils se cassent bizarrement. Vous avez vu? Mais c'est pas grave, hein. Bonjour mon garçon, je m'appelle Aroma et je suis la mairesse de ce bourg. Que puis-je pour toi? Vois-tu, je ne suis plus toute jeune, mais j'ai encore toute ma tête. Tu as bien nettoyé le jardin comme je te l'avais demandé? Bah, elle m'a rien demandé, en fait. Elle m'a rien demandé, la bougue. Le jardin. Elle parle de ça, peut-être? Je ne sais pas. Bizarre. Alors, parle. Pleine écarlate. Au cratère sacré, ok. Il y a un drôle de monsieur tout stressé qui n'arrête pas de courir partout dans la ville. Ici, c'est la clinique des animaux de Madame Leka. Ah, essuie-toi de les pieds avant d'y aller. Ok. Oh, des rubis, ça fait plaisir. Bonjour, jeune homme. Bienvenue dans ma clinique. Je m'occupe des citadins comme des animaux. J'ai actuellement un patient juste à côté. Rien de grave, je garde un œil sur... Ok. Bon, excusez-moi, j'ai un tout petit peu mangé avant, du coup... je digère. j'ai un peu la gorge irritée, mais Madame Lika a dit que je serai bientôt sur pied. Ouais, bah du coup, je me demande si ce sont des quêtes qu'on débloque plus tard. J'imagine que oui. Quand on est épuisé, rien de tel qu'un croissant pour aller tout de suite mieux. La boulangerie au nord de la ville est réputée pour la qualité de ses viennoiseries. Ok. Ah bah moi, je soulève toutes les touffes d'herbe. Oh, une fée carrément. Hop. Voilà, on est pas mal. J'adore ce petit parc, je m'y promène tous les jours. C'est important de ne pas se sédentariser pour rester en bonne santé. Et oui, bougez, bougez, bougez. Quelle quiétude dans cette ville. Difficile d'imaginer un meilleur endroit pour vivre. Eh ouais, non mais c'est vrai, hein. Il est où mon ballon? Ah ben je sais pas moi. Oh mais c'est Tingle ça. Mais si, je n'en reviens pas. Vous aussi, vous êtes une fée des bois. Ne nous méprenons pas. Méprenons pas. Je vais y arriver. La plupart des citadins considèrent que je suis l'un des leurs. Mais ce n'est pas vrai. J'ai toujours senti que j'appartenais au peuple de la forêt. Comment? Vous venez d'une autre contrée? Quelle déception. Mais j'ai le sentiment que nous sommes déjà amis. Si si. J'espère vous revoir très bientôt, messire fée. Mon pote, t'entends ça, mon nouveau son va tous vous bluffer, c'est sûr. Je peaufine les derniers trucs, là, et ça sera bientôt prêt. Waouh, qu'il est bon, qu'il chante bien. Oh, les fans. Tu ressembles à un explorateur. Si tu comptes visiter le temple du cratère, je te conseille de te munir d'une carte. D'ailleurs, tu as un sous-menu carte quand tu fais pause, c'est pratique, tu peux me croire. Ok, ok. Il paraît que cette démo est sortie un 1er avril. Pourtant, c'est loin d'être une blague quand on sait qu'on peut explorer deux temples entiers. C'est assez impressionnant.
C'est vrai en plus. Je cherche un commerçant qui me peut me vendre une ferrée en cas de coup dur. Aïe aïe aïe. Bon. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Du coup, on va pouvoir aller. On va pouvoir aller ici. Carrément. Voilà. Je suis perdu avec toutes ces rangées. Je cherchais à me documenter sur le cataclysme qui a donné naissance au cratère sacré à l'ouest de la ville, mais je ne sais où donner de la tête. Histoire de la ville, une série d'histoires sans doute très intéressantes, mais comme vous le savez, nous nous trouvons tout au beau milieu d'une démo. Peut-être en apprendrons-nous plus dans le jeu complet. Ah bah attends, les cinq peuples originaires de ce monde, que sont les citadins, les Aurons, les Gorons, les Mojo et les Gerudo. Oh, trop bien, ont une culture riche et digne d'intérêt. Dans le jeu complet, on pourra en apprendre plus sur chacun d'entre eux. Très bien. Bah, comptez sur moi pour faire le jeu complet. Je le ferai peut-être en let's play ou en live, à voir. Le monde dans lequel nous vivons est constitué de nombreuses et vastes régions. Vous pouvez ainsi être totalement dépaysé en visitant les monts enneigés du nord, la forêt luxuriante au sud ou le désert Gerudo, évidemment. Avez-vous remarqué l'immense cratère à l'ouest de la ville? Il serait la conséquence d'un cataclysme s'étant produit il y a des centaines d'années. La catastrophe fut si impactante que les écrits relatant d'avant cette période sont quasi introuvables. Aïe aïe aïe. Soit le bienvenue à la tour Biblio, jeune homme. Souhaites-tu consulter un ouvrage en particulier? Je peux te conseiller des livres remarquables que tu peux lire sur place. Et si tu désires faire ta sélection par toi-même, rends-toi devant les étagères présentes dans cette tour. Ok. L'histoire des cinq peuples. Il ne fait pas moins de 2000 pages. Je vivrai assez longtemps. Oh, c'est triste, dit comme ça. Ok, ok. J'aime bien. Hop. On va parler à lui. Ton intérêt pour notre peuple et son histoire. Ok. Bon, je vais un petit peu moins lire quand même. Parce que, bah... ça parle beaucoup, forcément. On peut aller ici, mais on peut monter. On peut monter. Oh, il y a un petit coffre ici. Qui pourrait être utile. Je me rends de temps en temps à cet étage de la tour. Car comme tu peux le constater, ces volatiles y ont élu domicile. Je m'assure qu'ils sont en bonne santé. Cela reste tout de même un mystère. Pourquoi ces oiseaux se sont-ils tous retrouvés dans cette pièce? Y a-t-il quelque chose qui les attire ou bien se sentent-ils tout simplement en sécurité? Je sais pas, parce que c'est haut ou... je ne sais pas du tout. Et là-dedans... un rubis, ok. Bon. Sympathique. Bah écoutez, nous, on va aller au sud. Hein. Ah, les objets sont random. Hein. Vous avez vu, hop. Ok. Bah let's go, let's go. On va aller bah, tout au sud. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte. Parce que on va pas s'arrêter en si bon chemin. La plaine Indigo. Et du coup, je crois qu'il faut se rendre dans une mine. Hein, si j'ai bien compris. Alors attention aux Octorok. Hop. Voilà. Alors attention, hein, on fait bien bien gaffe. Là, bon, il suffit d'esquiver en soi, hein, donc c'est pas bien difficile. Et je fouille, hein, je fouille déjà. C'est mon côté complétionniste, hein, j'imagine. Y a rien par là. Bon, y a rien, ok. Bon, cependant, on peut aller par là. Bon. J'essaie de fouiller tout quand même parce que sait-on jamais s'il y a des... là c'est surtout des cœurs. Mais il peut y avoir des trous cachés, hein. Sait-on jamais. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît parce que vraiment... ah, c'est vraiment cool, hein. Oh, ça doit être ça la mine. J'imagine que c'est ça la mine. J'imagine. Mais en tout cas, on en a énormément appris, hein, sur le lore. C'est vraiment cool. Avec les habitants aussi.
Il faudra des bombes hein, pour plus tard. Donc c'est là qu'il faut aller, mais je veux d'abord voir ce qu'il y a. Ce qu'il y a par là, quoi. Aïe, je me suis pris un cœur de dégâts. Attention tout de même. Ok, on l'a tué, incroyable. Notre premier ennemi mort. Ah, ici c'est bloqué parce que bah c'est la démo forcément. Hein. Mais oui, forcément. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de jouer un jeu comme ça. Rafraîchissant. Alors on peut aller là aussi. Hein. On va aller voir là. Vous savez quoi? On va aller voir là. Hop. Ah ouais, mais attendez, peut-être qu'on a besoin... Peut-être pas, d'une épée j'allais dire, mais peut-être pas. Ah. Ah, attendez. Attendez, je vais retaper. Ok. Parce que du coup, on pourrait avoir un fragment de cœur. Ah oui, mais là, il faut retaper, d'accord. Ah, mais pour avoir ce fragment de cœur... Ah, mais je ne sais pas, en fait. Bon, on va avoir un petit coffre, ici. Oh, 50 rubis, bien, ça. Et on dirait... On dirait qu'on peut avoir une récompense, ici. Ok. Bon, dans tous les cas, nous, on va aller à droite. Ah, ouais, je sais pas. Peut-être l'arc pour plus tard. Et on revient ici. Oh! Un fragment de cœur. À goûter, nice. J'imagine que si on a l'arc ou un truc comme ça, on sera pas mal. J'imagine, en tout cas. Mais du coup, c'est très très bien. Très très bien. Hop, on va ressortir d'ici et bah là, aller à la mine. Hop. On va le tuer, lui. Bah, il se tue en un coup, donc ça va. Et voilà. On dirait qu'on peut pousser ça, mais... Bon. C'est juste une déco, hein. Bon, ça va, on est plutôt riche. Je veux tuer l'Octorok. Nice. C'est juste histoire de le tuer. C'est tout. Pour la forme. Allez, go... bah, go là-bas, du coup. Pour récupérer l'épée. Perdons pas de temps. L'ancienne mine. Ah, j'aime bien... Putain, j'adore la déco. Alors, ouais, c'est vrai que ça sent... C'est assez sensible, hein, le stick. Ok, ça ouvre ici, c'est très bien. Très très bien, très très bien. On peut aller là, hop. Donc attention, hein, on fait bien gaffe. Oula. Il doit y avoir une petite clé. Très très certainement. Eh oui, tu as trouvé une petite clé. Très très bien ça. Excellent. Hop, on va là. On sort d'ici. Écoutez, on est pas mal. On est très bien. Et là... Ah, le minerai de fer. Le forgeron pourra te forger une épée. Ah, ben voilà, c'est ce qu'il me fallait. Ah, trop bien. Beaucoup trop bien. Eh ben, excellent. Je me souvenais même plus ce que je venais aller chercher. Ben oui, c'est un minerai de fer. Donc, c'est parfait. Attendez. Pardon, je suis assez sujet aux éternuements. Me demandez pas pourquoi, mais voilà. Enfin bon. Nous, on va pouvoir retourner à Chronoville. Donc, excellent. Oh, attends. Attends un petit peu.
On peut aller à gauche là? Hep 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 hep. J'ai failli te rater toi. J'ai failli te rater. Mais c'est bon. Bon bah on va aller voir le forgeron. On est à 90 rubis mine de rien. C'est vraiment pas mal. Le forgeron, il me semble qu'il était là. Ouais. Ok, ça va, je me souviens bien de la ville. Eh oui! Et voilà! L'épée du courage! Tu peux croiser le fer et affronter les ennemis. Allez, bon courage dans ton aventure. Ah, nice. Ok. Il n'a pas d'autre épée pour le moment pour nous. Ah, oh, ça fait du bien. On pourrait aller à certains shops du coup maintenant. Oh, c'est j'avais vu cet endroit. Ah non, mais j'avais même pas vu. Mais j'ai pas d'arc. Bah oui, je n'ai pas d'arc. Et on peut pas m'en fournir forcément. On n'a pas de sac de bombes aussi, parce que je suppose qu'il me faudrait un sac de bombes. Hein. Enfin, je suppose, oui. Soit, attendez. Oh, et ça? Ah, mais attendez, on pourrait en acheter de ça. 40 rubis. Le sac de bombes. Il contient 10 bombes. Bah voilà, parfait. Fragment de cœur, on le prendra plus tard. Soyons pas pressés. Et voilà. Utilise les bombes contre les ennemis ou pour faire exploser des... Ah, oh, c'est trop bien. Et vous voyez, on peut équiper soit sur sur un des deux boutons. Et ça, c'est trop cool. Je vais le mettre à droite, du coup. Et je crois qu'il y avait un mini-jeu où il fallait utiliser des bombes. Allez, c'est ici, en plus. Bah, écoutez, on va tester. On va tester. Bonjour, jeune homme. On va participer au meilleur jeu du bourg. En utilisant tes bombes, tu dois faire exploser tous les rubis qui apparaîtront en face de toi. La partie coûte 20 rubis et tu gagnes un très beau prix. Bon, on va tenter. Pour atteindre les rubis, pose une bombe devant toi et ramasse-la avec le bouton d'action pour ensuite la lancer dans la direction que tu veux. Bonne chance. Ok. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, ok. C'est cool. Alors, ça allait de plus en plus vite, je suppose. Ok. Allez. Oh non! Oh, je l'ai eu! Putain, je m'y attendais pas. Nice, ok. Ah, c'est pas si facile, hein. C'est pas si facile. Oula, 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 oula. Ok. Ok. Allez. Nice. Eh ben c'est bon. Incroyable. Oh, tu as les bottes de course. Oh oui. Tu peux désormais foncer à toute vitesse. Appuie sur la touche d'action pour les utiliser. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Eh ben j'ai plus de rubis, mais... Mais vas-y, c'est beaucoup trop bien. Ah ouais, oh là, oh putain, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien de se déplacer comme ça. Oh mon dieu, ça change la vie. Là, là. Ah, mais ça fait tellement plaisir. C'est tellement plaisant de jouer à un jeu comme ça. C'est beaucoup trop bien. Beaucoup, beaucoup trop bien. Ah oui, bah là, la vitesse à laquelle on va, c'est trop trop bien, c'est trop plaisant. On pouvait aller au nord, hein. Donc on va y aller au nord. On va y aller, Éléonore. Non, là, ça c'est totalement différent ce que j'ai dit. Ok, parfait, parfait. Attends, je vais revenir ici. Tellement de travail, je n'ai pas encore fini. Ok.
On me dit rien d'autre ici, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Il n'y avait rien à péter aussi. J'imagine... ouais, non. Non, non, non. Attends, je vais quand même voir parce que, sait-on jamais, je suis curieux. La, la. Ouais, non, 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 non. Bon, allez. On va aller au nord, du coup. Hop, perdons pas de temps. Je sais pas si des quêtes se débloquent. Bah, à mon avis, les quêtes se débloqueront plus tard. Et on peut faire deux donjons, hein. C'est énorme. Donc, bah, on est parti. Est-ce que... Attends. Il faut tester, ça. Eh, hey, ça marche, ok. Ok, ok. Donc, par là... C'est vers le cratère. Mais d'abord, on va aller voir au nord. J'ai envie. Le bois des taurins. Aïe. Ils font un petit peu mal. Ok. Cool. Cool, cool. La 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 la. Hop là. Ah, c'est trop cool. C'est vraiment... Trop trop cool. La 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 la. Si vous êtes intéressé pour que je fasse d'autres comment démos tout ça de jeux Zelda amateurs, n'hésitez pas hein, parce que vraiment c'est un pur kiff pour moi. C'est un pur tatin, c'est un pur kiff. Ouais, on peut pas y aller là. En plus, on perd des cœurs. Attention. Tension, tension, je voulais juste tester, monsieur. Ok. Ah oui, c'est pas mal. Pas mal de leur foncer dedans. Là. Comme ça. C'est quoi ces statues on peut rien y faire? Je pense pas. Hein. Bah on va aller là. On va aller là, forcément. Et il n'y a rien. Bon. Pourquoi pas, hein? Ah, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Accès pour le village des taurins. Oh, d'accord. Carrément un village. Carrément un village. Intéressant. Très intéressant. Oh, attends. Il faut que je teste un truc. Tu as trouvé un fragment de la pierre de Taurina. Collègues-en... 5 pour réparer la stèle des taurins. Est-ce que j'étais... Alors... Je pense... Merde! Je pense que je me suis potentiellement bloqué dans le jeu. Oupsie. Bah ouais, parce que... Comment je fais pour revenir? Attendez, attendez... Je peux sauvegarder. Mais je peux arrêter la partie si je veux. Attendez, du coup, il faut que je vois. Où est-ce que le jeu va me remettre? Voyons voir. Ok, le jeu me remet ici, d'accord. Je vais faire bugger le jeu, pardon, pardon. C'est pas mon but. On va aller ici. Pour voir bah, ce qu'il en retourne. Oula! Waouh. Très dangereux ça. Mais elles sont énormes les chauves-souris ici. Ah ouais, des chauves-souris XXL ça. Oula ouais, il faut faire vraiment gaffe. Je regarde s'il n'y a rien, mais bon. Oh là là, ok. Oh, 8 bombes. Ah ouais, la vache. Bon, on en est déjà assez, hein, des bombes. Ok. On va sortir ici. Ah, et du coup, là, on est vraiment au bois des tours, hein, d'accord. Ok, ok. Ah, mais c'est eux les taurins, ce sont eux. Ce sont eux. On peut pas? Bizarre.
Ok. Oh, waouh. Ah, mais ça, ce que j'ai là. Reconstituer la stèle sacrée des Tourins. C'est peut-être pour déchiffrer leur langue. Il y a un flacon ici. Incroyable. Ah bah ouais, bah, incompréhensible, forcément. Mais du coup, on en a trouvé un deuxième. Ah, peut-être que... Ah, mais attendez, on va l'acheter. On va acheter ça. Hein. À mon avis, c'est important. On en a deux hein, sur cinq. Donc, plutôt intéressant. On va aller par là. Peut-être qu'il y en a caché. Ok, nice. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Je veux bien, hein, vous dites la même chose. Et oui, bah oui, je comprends. La 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 la. Ok, nice. Oh, le rubis rouge. D'accord. Ah, il est totalement gratos, lui. Je m'y attendais pas. Ok, du coup, ça ramène ici. D'accord. Alors. À mon avis, il doit y avoir... Oh, bah, il y en a un ici. Un fragment, ok. Et on peut aller par là. Oh. Oh, wow. Putain, incroyable. Ah, oh, je m'attendais pas à revenir là. Oh, excellent, ça. Excellent. Par contre, ouais, bah, on n'a pas... On n'a pas trouvé, quoi. Par contre, attends, je suis pas encore allé... Je ne suis pas encore allé là. Peut-être qu'ici. Ah, c'est peut-être pas sûr. Ah, si. Ok. Parce qu'on a 3 sur 5. On... Ah, oh, 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 oh. Hé, hé. Il manque des morceaux. Bah oui. Aïe, les dégâts. Oh, il y en a un quatrième là. Oh. Ah, oh, j'y suis presque. J'y suis presque. Il doit y en avoir un cinquième quelque part. Mais je ne sais pas où. Ah. Il peut être où, le cinquième? Ah, j'ai fouillé partout, hein, je trouve, pourtant. Dans le lit, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Où peut-il bien être? Ouais, je sais pas où peut-il... Bah oui, il est... Oh, ça a été remplacé par un fragment de cœur, intéressant. Mais là, on dirait qu'il y a un truc. Non, attends, là, c'est pas possible. Attends, mais... C'est pas possible autrement, ici. Il y a un truc, c'est pas... Peut-être derrière... Derrière un arbre. C'est possible, hein. Derrière un arbre. Mais je ne sais pas. Et là... Ouais, bah ouais. Ouais, bah je ne sais pas. Mais bon. Et je suis allé là. Ouais, bah... Attends, c'est bizarre que j'ai rien trouvé ici. Il y a vraiment rien là? Eh ben je ne sais pas. Oh, c'est dommage qu'on trouve pas. J'ai un petit peu le seum quand même. Bah ouais, j'ai un peu le seum. Je vous avoue que j'ai le seum.
Peut-être derrière l'une des maisons. Ouais, je sais pas. Ou je suis peut-être aveugle. Hein. Ça, c'est aussi possible. Ouais, bah... Alors là... On reviendra ici plus tard. Allez, on reviendra ici plus tard. Hop. Mais ça... Ouais, c'est embêtant que j'ai pas trouvé. C'est un petit peu embêtant. Putain, il y avait ça tout à l'heure, je l'avais même pas vu. On a eu de la chance de l'esquiver à mon avis. Je regarde si j'ai rien raté, mais... Mais écoutez, je pense pas. Hein. Et il y en a un là. Après, j'ai pas tout... J'ai peut-être pas tout vu, hein. J'ai peut-être pas tout vu non plus, hein, attention. Je peux peut-être... Ah, ici peut-être. Ouais, ici c'est bizarre aussi, hein. Vous voyez? Mais bon. Genre, typiquement, il pourrait y avoir un truc en haut, voilà. Mais bon. Ah là là. Ok, bah c'est pas grave, nous on va aller à l'ouest, au cratère de l'ouest, au cratère sacré. Parce que je sais qu'on pouvait y aller. Et bah c'est ce qu'on va faire, écoutez. C'est ce qu'on va faire, à défaut de ne pas trouver, bah... C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop, let's go. Au moins on en a déjà 4 sur 5. Oh, attendez, on peut aller là? On peut aller par là? J'avais même pas vu. On va mettre une bombe. Et oui! Oh, le cratère sacré! Le cratère sacré, le fameux. Oh putain, c'est un peu spécial quand même. Hein. Ah oui, la vache. La 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 la. Lo 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 lo. Ok. Allons-y, allons-y. On peut monter par là? Non, on peut pas, ok. Ok, ok. Eh ben, j'aime beaucoup, putain, j'aime tellement même. Alors, le fragment de cœur ici, il faudra s'en souvenir. On peut pas annoter des choses sur la carte. Hein. Ça serait trop beau. Ok. Bon, on va tomber, hein. Enfin, tomber. Ah, on peut pas? Ah, mais... Ah, on peut pas? Ah, d'accord. Ah, c'est étonnant. Je m'y attendais pas. Et on va faire ce fameux cratère qui semble être le premier donjon, j'imagine. Si j'ai bien compris. Tindotin, waouh. Oula, ok. Attention, attention, hein. Là, 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 encore un fragment de cœur. Il y a énormément de fragments de cœur, hein. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, c'est par là qu'il faut passer. Bah écoutez, go, hein. Go, go, go. Ah, on pouvait se laisser tomber d'ici. D'accord, ok. Si on passait à l'ouest de la ville. Ok. Carte. Ouais, bon, ça ne change pas. Ah, te voilà. Je ne pouvais pas te parler en pleine ville tout de même. Je tiens à rester prudent. As-tu entendu parler du Conseil des Cinq Peuples? Il existe de nombreux peuples dans ce monde. Chaque peuple a un représentant au Conseil des Cinq Peuples. Est-ce que lui, c'est le représentant? Il est présidé par Madame Aroma. Ah, bah d'accord, ok. Ah, ok, on lui a parlé. C'est elle qui m'a chargé de recruter un mercenaire pour une mission de la plus haute importance. Ce mercenaire, c'est toi. Je sais que je peux te faire pleinement confiance. Je ne sais pas encore très bien pourquoi, mais je le sens. Regarde, derrière moi se trouve l'accès au temple du cratère. C'est un lieu gardé où... est gardé à un coffre légendaire, pardon. Le conseil sait de source sûre qu'il est menacé par les Miji.
une tribu d'immenses oiseaux qui cherchent à s'en emparer. On a vu des oiseaux en haut de la tour. Les Midji ont soif de pouvoir et commettent des atrocités pour arriver à leur fin. Les peuples du conseil ont de nombreux problèmes avec les Midji. Si en plus ces affreuses créatures en ont après la relique sacrée dans ce coffre, nous courons tous un très grave danger. Puis-je compter sur toi pour le récupérer afin que nous le mettions en lieu sûr. Nous devons impérativement mettre à mal le plan de ces oiseaux démoniaques. J'attendrai ton retour ici, ne me déçois pas. Eh ben y a pas de souci, on va se donner à fond. Ok, le temple du cratère, waouh. Ah, et c'est vraiment un donjon, ah, c'est cool. Ok, ok. Intéressant du coup. Très intéressant. Qu'est-ce que ça fait? Ah d'accord. Ok ok. Ça dévoile un coffre. Très très bien. J'essaie de pas trop traîner hein, mais bon. Et on va voir un objet du donjon d'ailleurs. C'est vrai ça. Alors je miserai peut-être étrangement sur la plume. Il y a eu quelques petites crevasses. Mais vas-y. Oh et c'est quoi ça? Ah et ça ouvre la porte là-bas. Ok. Je vais avoir quoi? La boussole? La carte? Une petite clé, ok. Intéressant, intéressant. Hop. On va aller par là. Mais en tout cas, c'est vrai... Ah, oh, ouais, ok, bah d'accord, on va voir la plume. Ça y est, ok, c'est obligé. Ok, ok, incroyable. Attends, je suis au rez-de-chaussée. Peut-être que je peux me laisser tomber au premier étage. C'est pas impossible, ça. Ah, et on a la clé, on pourrait aller au milieu, du coup. Et là... Alors, je voulais pas faire ça, mais on a la boussole. Très bien, c'est ça le progrès. Eh oui. Ok, ok, nice. Bah, on va aller là. Et on continue. Donc là, c'est à gauche et c'est là... Ok. Ah, oh, un croissant. Il est tout croustillant. Trop bien. On a un croissant. Ok, c'est nice ça. Très 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 bien. Oh là, bonjour. Ces ennemis sont très... très étranges. Une petite clé, nice. Ah, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît vachement. Qu'est-ce que c'est de ça? Ok. C'est bizarre cet interrupteur, on dirait qu'il est peut-être chronométré. Après, ça m'étonnerait, mais bon. Ok, ok. Let's go, du coup. Alors, on peut aller par là. Bon, pour l'instant, c'est très, très linéaire, hein. Ok. Nice. Et là, on descend au premier étage. Bon. On dirait qu'il y a un mini-boss qui m'attend. Avec, vu qu'il y a un œil. C'est pas impossible qu'il y ait un mini-boss. Ouais, on a plein de cœurs en plus. Ouais, bon, ça pue le mini-boss. 5 rubis, nice. Ok. On va prendre un pot avec nous. Oh, la musique! Oula, 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 oula! On va manger le croissant. Énorme, la musique! Alors... Attention, attention. Ok, c'est bon. Oh, le fragment de cœur, mon dieu. Ouh. Ah, le croissant, il n'était pas trop, hein. Mais incroyable, j'aime beaucoup. Pourquoi on me donne des bombes? On dirait qu'il y a un passage secret. Mais ça m'étonnerait. Ok, on a besoin de plusieurs clés ici. Alors,
Ouais. Ok. On dirait une clé. D'une clé spéciale. Ah mais j'avais déjà une clé d'ailleurs. Ok, d'accord. Et on peut aller là. Et on a la carte. Très bien. Oh, oh, attendez. Mais il y a un secret. J'ai même pas rêvé en fait. Attendez, il y a un secret. Certains murs fragiles sont bien cachés. Une technique d'estoc sera les débusquer. Ah. Ok. Eh ben allons voir. Parce que genre ici. Oh, incroyable. Je me disais, on me donne pas des bons pour rien. Et voilà. Un petit fragment de cœur. Ah non, une petite clé. Waouh, mais c'était hyper important. Ok, eh. Sympa, bah sympa l'énigme. Ok. Ouais, d'une clé spéciale, on peut pas. Bizarre, ça. Donc là, on revient au rez-de-chaussée. Et on vient... On est ici, d'accord, ok. Ok, ok. J'aime bien, j'aime bien. J'aime ça, j'aime ça. Ok, on a tué un ennemi qu'on voyait pas. Hein. Un petit rubis, ça fait plaisir. Nice, et on a la clé qu'il faut. On peut aller là. Et on récupère la plume. Ok, c'était vraiment bien ça. Utilisable pour sauter et franchir des obstacles. Incroyable. Nice, ça fait plaisir. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, on va équiper la plume ici. Et là, ouais, on peut pas y aller. Mais excellent, du coup. Excellent, excellent. On va revenir ici. Parce que... Attends, c'est ici, il me semble que... Ah, il me semble que c'est ici qu'il y a un truc. Je crois pas que j'avais rêvé. Il y avait un interrupteur ici, il me semble, de mémoire. Ouais, voilà. Mais je pouvais pas y aller ici. On va aller voir, attendez. Y a pas des petits cœurs, là? Un petit cœur? J'ai un petit peu besoin de cœur. Ah! Petit cœur pour moi, là. Merci. Ah, ok, c'était bien ici. Voilà. Très bien. Oh, alors. Énigme de bloc. Comme ça, je dirais. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. J'aime bien ces énigmes de bloc. Alors, par contre, je me suis trompé de touche. C'est pas fou. Eh ben, il leur faut beaucoup de coups hein, pour les tuer. Faut être patient. Hein. Mais bon. Ok, la clé du boss. La clé du maître. Nice. Ok, bon, on peut sortir d'ici. Bon, c'est vraiment un donjon introductif hein, qui se fait très rapidement. Mais qui reste cool. Oula, oula, oula. Par contre, on m'agresse directement en sortant de la salle. C'est pas si fou, ça. Ok. Ok, ça va. Ouais, par contre, on a très peu de cœur et on a tout exploré. Hein. Bon, bah, parfait. Parfait, parfait. Le donjon, il s'est fait en... Même pas 10 minutes. Enfin, un quart d'heure, je dirais. Donc, ça va. Je sais pas, ça fait combien de temps que... Moi, en tout, je record, mais... Ça doit faire plus d'une heure, je pense. Largement. Mais bon. Alors. Voilà, merci. Bon, heureusement qu'on a eu un cœur. Je confonds les touches. Pardonnez-moi. Mais bon, ça c'est moi. Hein. Surtout moi, ça.
On peut aller là. Et... ouais, on n'est pas encore tout à fait au boss. Mais là, on va y être. Ok, on a... la blinde de cœur. Qu'est-ce que c'est, ça? Et d'ailleurs, il y avait une salle... attendez, il y avait une salle à droite que j'ai pas réussi à récupérer. Ok. Oh, punaise. Oh, mais il est stylé. Putain, il est trop stylé. Aïe. Est-ce que je peux lui jeter des bombes? On va tester. Oh là, oh là 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 là. Oh. Wesh, mais comment j'esquive tout ça, moi? Ah, je voulais... oh là là, mais vas-y. C'est trop chaud. Ok, si je me mets là, c'est bon, ça passe. Ok, oh, je peux l'avoir comme ça. Très bien. Attends, et là, ah, il est protégé, en fait. Il est entouré d'une aura. Ouais, ok. Vous avez vu? Ouais, là, je peux pas le toucher. Donc là, bah, on va se mettre comme ça. Ok, bon, il s'esquive facilement, du coup. Je me dis que c'est pas difficile, cette attaque. Ils auraient pu l'améliorer, cette attaque. Ok, là... oh là, ok. Eh merde. Ah putain. Bon, ne pas mourir. Ça devrait aller, hein. Ok, bon, ben voilà. Ah, tu es fort pour un citadin, mais le coffre est à moi. Ciao. Non? On a eu le réceptacle. Bon. Enfin, tu es de retour. Pourquoi était-ce si long? Bref. As-tu le coffre légendaire? Bah non. Tu n'es pas sérieux? Tu l'as laissé filer avec le coffre? Tu es complètement irresponsable. Eh, vas-y à ma place. Calmons-nous, il est sans doute possible de remédier à cela. Laisse-moi réfléchir. Si c'est bien le chef des Midji qui s'est emparé du coffre, il ne l'a certainement pas ramené à leur village, mais caché dans un lieu sacré. C'est marrant parce que, en plus, ce personnage, ça fait écho à... au logo du jeu. Je vais mener ma petite enquête. Toi, de ton côté, retourne à Chronoville et informe Madame Aroma de la tragédie qui vient de se produire. La relique et l'intérieur... à l'intérieur de ce coffre est d'une puissance incroyable et tu l'as laissé s'en emparer. Ah, pardon, hein, mais bon. Alors, par contre, il faut que je vois un truc. Juste, excusez-moi, mais il faut que je vois un truc. Du coup... une clé spéciale? Mais on n'a pas cette clé spéciale. On ne l'a pas, cette clé spéciale. C'est très étrange. Ouais, bah, je ne sais pas. Je sais pas comment on récupère cette clé spéciale. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Peut-être... ah, attends. Peut-être qu'il faut pousser ça. Qui sait? Qui sait, qui sait? Ou on récupère peut-être cette clé autre part qu'ici, hein. Voilà. Bon. Cool. Très cool ce premier donjon introductif. Petit rubis, on récupère. Alors. Comment je fais pour... bah, par là, du coup. Ouais. Et on va par là. Hop là. Et là, il y avait un petit fragment de cœur. De mémoire, il y en avait un. Voilà, ici. Oh, 4 fragments de cœur en plus. On est à 5 cœurs. Incroyable. La 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 la. Ok. Eh ben, excellent. Très très bien tout ça. Très 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 bien. Alors avant de voir Madame Aroma, hein, on va faire un petit truc, c'est qu'on va aller au sud.
Ok, pardon, excusez-moi. Ah oui, c'était ici. Je me disais, cet endroit est bizarre, il ne me dit rien. Bah oui, forcément. Du coup, on va là. Et on va pouvoir récupérer ce quart de cœur. Ah là, regardez. Et on peut y aller comme ça. Voilà. Un nouveau fragment de cœur. Ça fait trop plaisir. Ok, ok. Nice. Très, très, très bien. On va aller voir maintenant... comment elle s'appelle? La mairesse. Du bourg. Oui, ben voilà, j'ai ce qu'il faut. C'est bon. Donc, bah go, on peut y aller tout de suite. Ça ne peut être qu'ici. Mais... comment savoir? J'essaie d'appuyer partout, mais... mais bon. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que là, bah ouais, je reparle à lui, ça fait rien. Peut-être... bah là, non, il y avait la... ouais, bah... alors, je peux aller là, mais... mais bon. Oh, attendez. Oh, mais ça s'est débloqué ici. Oh, attendez. Elles sont toutes réservées. Bah ouais, mais bon. Qu'est-ce que je te sers? Non, merci, ça ira. Parce que moi, j'ai d'autres préoccupations. Je t'avoue. C'est fermé à clé. Ça, c'est chiant quand même. J'ai pas de pierre. Il n'y a pas de pierre. Il y avait un taurin dans la ville. Peut-être que je peux aller lui parler. Ouais, bah ouais. Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, là. Docteur. On peut toujours pas aller ici. Ah, attendez, je suis jamais allé là, regardez. Oh, punaise. Oh, punaise. Alors, ça m'étonnerait que ça me débloque, mais bon. Ça m'étonnerait fortement que ça me débloque. Mais l'espoir fait vivre. Il y a des prisonniers ici, ok, pourquoi pas. Mais très cool en tout cas. On arrive ici, et c'est pour un coffre, hein. Je me doutais que ça serait pour un coffre. Un fragment de cœur, ouais, bon, d'accord. Ok, ouais, bon, il n'y a rien d'intéressant. Ok, ok, ok. Pourquoi pas? Moi, ouais, je peux rien faire avec eux. Ok, bon. On va retourner là. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais faire. Là, regardez, il y a un tour. Hein. Mais bon. Lui, il me dit toujours la même chose. Ouais. Ouais, bah alors là, bah je suis bloqué. Je suis bloqué. Donc je sais pas trop ce que je pourrais faire, malheureusement. Ouais, bah ouais. Je peux rien faire par là. Non, je peux rien faire. Je sais pas. I don't know. I don't know. Pff,
les gens, écoutez, j'ai pas trouvé la dernière pierre de Turin. Enfin, de Turina, du coup, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, tant pis. J'ai essayé de faire ce que je peux. Je sais pas où trouver la dernière pierre, hein, donc si vous avez regardé toute la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi, dans tous les cas, peut-être que je ferai mes recherches plus tard et que je tournerai un deuxième épisode de, de cette démo, je dis bien. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. On aura récupéré pas mal de choses, mine de rien. Donc c'est vraiment cool, hein. Et hop, je sauvegarde. Et je quitte la partie. Voilà. En tout cas, c'était cool. C'était vraiment cool. Je vous remercie d'avoir regardé du coup cette vidéo. Merci à vous. J'espère que cette découverte vous aura plu. On se dit à très bientôt. C'était Linkos. Bye tout le monde.